Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume de Japactu, nous sommes en présence de Manon, alias Arizona Cosplay. Bonjour Manon. Ça va bien ? Ouais, ça va bien et toi ? Bah très bien, très bien. Nous sommes ici dans cette vidéo pour te rencontrer, voir ce que tu fais. Et on va de suite commencer avec la première question, depuis quand fais-tu du cosplay ? Alors j'ai commencé le cosplay au baccalauréat et depuis j'ai pas trop compté les années, depuis combien de temps j'en fais. La couture c'est une passion pour toi, tu réalises tes cosplays main ? Exactement, je réalise tous mes costumes à la main, des patrons aux finitions, je vais chercher les tissus, les matériaux dans les magasins qui sont autour de chez moi et je fais absolument tout à la main. Quel personnage tu incarnes et pourquoi l'avoir choisi ? Alors aujourd'hui j'incarne le personnage de Hoshizora Rin de Love Live. Et c'est un personnage que j'ai choisi parce qu'il était facile à réaliser. Je l'ai fait en Angleterre. Lorsque je suis arrivée en Angleterre, je n'avais même pas accès à une machine à coudre, qu'il a fallu que je reste sur quelque chose de simpliste. Et du coup, ce cosplay, combien de temps t'as mis pour le réaliser ? Alors, pour le réaliser, j'ai eu 4 mois à partir du moment où j'ai eu accès à ma machine à coudre jusqu'à la Manchester Comic Con, fin août. Donc, t'as réalisé ce cosplay pour cet événement ? Exactement. Alors, derrière toi, il y a une tenue. Ce n'est pas du cosplay, tu peux nous en dire plus ? Oui, absolument. Donc c'est une tenue que j'ai réalisée. En fait, c'est une robe de gala pour ma cérémonie de diplomation pour mon école d'ingénieur. Et sauf qu'elle a été annulée suite au Covid, donc j'ai quand même terminé la tenue et je souhaiterais pouvoir la porter au moins pour un photoshoot pour lui rendre honneur. Photoshoot qui va arriver juste après. Exactement. Alors pour les gens qui nous regardent et qui voudraient te suivre, où est-ce qu'on se redirige ? Alors, pour me trouver, on peut me trouver sur Instagram, @arizonacosplay. Et c'est la seule plateforme sur laquelle je suis à l'heure actuelle. Arizona Cosplay, mais pourquoi avoir choisi ce nom ? N'aurais-tu pas une petite idée là-dessus, Guillaume ? Pas du tout. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et je remercie Manon, Arizona Cosplay, d'être venue ici même dans notre décor pour cette interview. Merci Manon. Merci à toi, Guillaume. À très bientôt.